Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à Afen & Co, Afen & Co, la collégiale de la FEN. On en est au numéro 326 et on aborde un sujet dans notre collection bien-être et performance, le sommeil. Et pour parler du sommeil, il nous fallait une spécialiste. On a Isabelle Bonnefou, qui est spécialiste du sommeil, qui est docteur en pharmacie, qui est présidente de Retrouver le sommeil. Bonjour Isabelle. Bonjour Stéphane. Eh bien, tout d'abord, peut-être présenter un peu qu'est-ce que c'est que cette association Retrouver le sommeil? Alors c'est pas du tout une association, hein. C'est l'entreprise que j'ai créée pour donc c'est une SASU, l'entreprise que j'ai créée quand je me suis installée pour accompagner les personnes qui ont des troubles du sommeil. Alors peut-être, donc autant pour moi, alors très bien. Peut-être démarrer directement par l'actualité. Aujourd'hui, c'est la période où on change d'horaire. Finalement, est-ce que c'est une bonne chose pour le sommeil ou est-ce que c'est une bonne chose pour les citoyens, pour les économies qu'on peut faire? Qu'est-ce que vous en pensez? Ah bah, du côté du sommeil, pour les personnes qui sont sensibles au changement de rythme, non, c'est pas terrible. Surtout que dans ce sens-là, c'est le sens le plus difficile puisqu'on perd une heure. Donc, il y a beaucoup de personnes que ça perturbe, et particulièrement les enfants, les tout petits, D'accord. qui ont des rythmes quand même beaucoup plus calés que ceux des adultes. Et donc, j'ai fait un post là sur LinkedIn la semaine dernière pour donner des conseils pour le gérer au mieux. Ça s'anticipe. Pour que justement les conséquences soient les plus limitées possibles sur l'organisme. Donc, d'ores et déjà, Isabelle Bonnefou, sur son LinkedIn, vous avez tous les secrets, parce que même les adultes sont sensibles, certains le sont plus que d'autres, Voilà. en la matière. Finalement, est-ce que le sommeil a quelque chose à voir avec la formation, ou est-ce que c'est deux domaines qui sont très différents? Bah depuis 2 ans, non, enfin, il y a des formations pour thématique le sommeil. Parce que justement, pour tous les salariés qui travaillent en horaire décalé ou posté, Oui. c'est une problématique importante. C'est pas du tout intuitif de savoir comment recaler son horloge pour gérer au mieux ce type d'organisation. Et donc, moi, j'anime depuis donc plus de 2 ans des formations pour ces populations-là, pour leur permettre que ce soit le plus ergonomique, le plus confortable possible pour eux, dans la mesure du possible. Effectivement, toutes les vies décalées qui existent depuis des siècles et des siècles, c'est bien qu'il y ait ce type de formation. Et pour les gens normaux, ceux qui vivent sur les 7 heures dans la journée, normalement. Alors là, une journée de formation complète ne me paraît pas forcément nécessaire. Alors ce que je propose dans les entreprises, c'est soit des conférences pour expliquer Alors, comment avant fonctionne de le parler de ce que vous sommeil. Ouais. proposez, c'est surtout de parler du problème. Est-ce qu'il y a un vrai problème dans le sommeil? Ah bah depuis, oui, il y a toujours eu des problèmes. Il y a avant la crise sanitaire, il y avait environ une vingtaine de pourcents de personnes concernées par l'insomnie. Mais D'accord. depuis la crise sanitaire, il y a la moitié des personnes qui ont des troubles du sommeil, alors pas uniquement l'insomnie, parce que avec la crise sanitaire, bah déjà il y a eu une généralisation du télétravail et du coup les gens ont décalé leurs horaires puisqu'ils n'avaient plus de temps de trajet, donc ils se couchaient plus tard, ils se levaient plus tard et ça a complètement perturbé l'horloge biologique. Et il y avait également un climat d'anxiété très important qui a été entretenu pendant fort longtemps, hein, les infos le soir, c'était le nombre de gens en réa, etc., le nombre de morts. Donc c'est pas avant d'aller se coucher, c'est pas ce qu'il y a de s'endormir le mieux. Effectivement. Puis après, on a eu la crise en Ukraine. Maintenant, il y a une crise financière, économique, avec une inflation importante. Donc en fait, les gens ne voient jamais le bout de situations stressantes. Il n'y a pas la lumière au bout du tunnel. Du coup, les gens sont vraiment, anxieux et ça génère des troubles du sommeil. D'accord. Est-ce que c'est vraiment gênant? Parce que s'ils gagnent en liberté, s'il y a des gamers, je crois que l'âge des gamers, c'est 35 ans qui jouent toute la nuit, finalement, ils sont un peu fatigués le lendemain, mais est-ce que c'est bien gênant? Bah, c'est ce qui est gênant, c'est de savoir s'ils sont en dette de sommeil ou pas. Parce que s'ils sont en dette de sommeil chronique, ça va avoir un impact sur leur santé. Alors quand on a 35 ans, on est encore jeune et on ne voit pas toujours les effets immédiatement, mais les choses se préparent en sous-marin et la dette de sommeil chronique a vraiment des conséquences majeures au niveau de la santé. Ça peut être des infarctus, des AVC, du diabète. Enfin, il y a plein de maladies graves. Ça peut être de la dépression aussi, qui peuvent être la cause d'une dette de sommeil chronique. Donc, faut pas jouer avec ça. D'accord. Et est-ce qu'en termes de performance,
Ça amoindrit les performances au travail. Complètement. Quand on manque de sommeil, les conséquences sont déjà ou de la fatigue ou de la somnolence, mais une moins bonne concentration, une moins bonne mémoire, de l'irritabilité, donc en termes de relationnel dans les équipes, ça devient plus compliqué, et puis une baisse de motivation, et si les choses s'installent dans la durée, ça peut aller jusqu'à la dépression, et la dernière étape, c'est le burn-out. Donc, Donc ça vient en lien avec la question initiale. Sommeil et formation, ben avoir des informations sur comment fonctionne le sommeil, ça peut éviter d'arriver à ces extrêmes que sont la dépression et le burn-out. d'accord. Donc, ce qui fait que comment est-ce qu'on peut remettre du sommeil au centre de sa vie? Ben, c'est un choix, c'est une Ouais. décision, parce que aujourd'hui, on observe qu'il y a un certain nombre de personnes qui considèrent que c'est une perte de temps. Parce que pour la majorité des gens, on passe un tiers de notre temps à dormir. Donc, oui, c'est une certaine quantité de temps qui est consacrée à cela, mais c'est un besoin physiologique incontournable. Et donc, ben, ces personnes qui considèrent que c'est une perte de temps se mettent volontairement en dette de sommeil pour faire des choses qu'ils jugent bien plus importantes. Or, si le sommeil existe, c'est il y a une raison. Et donc, il se passe des choses très importantes pendant qu'on dort pour la santé. Et si on zappe ça, eh bien, au bout d'un certain temps, le corps va montrer que justement, il n'est pas très content et qu'il faut envisager les choses sous un autre angle. Alors, ça sert à quoi le sommeil? Parce qu'effectivement, on entend souvent cette expression de dire bah, c'est du temps perdu, donc ça sert à rien. Alors, ça sert donc, en fait, il y a deux grandes phases dans le sommeil. Il y a ce qu'on appelle le sommeil lent profond. Et pendant cette phase de sommeil, donc c'est à peu près 20% du temps de sommeil total. C'est là qu'on va récupérer tout au niveau physique. On va régénérer nos muscles, on va fabriquer des nouvelles cellules pour remplacer celles qui sont mortes dans la journée, on va fabriquer des anticorps, on va avoir tout un tas de sécrétions hormonales, on va également éliminer les toxines qui sont rejetées dans le cerveau quand le cerveau fonctionne dans la journée, il consomme du sucre et il rejette des déchets. Et ces déchets, ils sont éliminés pendant le sommeil profond. Et donc, si on n'a pas un temps de sommeil suffisant, ben, ces déchets ne sont pas éliminés totalement. Et si c'est chronique, si ça s'installe dans la chronicité, au bout d'un moment, ben, ils vont se positionner où ils peuvent dans le cerveau. Et ça peut être à l'origine des maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer. Donc, c'est quand même pas rien. Donc, ça, c'est pour la récupération physique. Et puis, bien sûr, nos organes aussi continuent à fonctionner, mais ils sont en mode veille, au repos. Et du coup, c'est aussi le moment pour eux, comme le cœur et le cerveau qui sont extrêmement sollicités, pour se recharger et pour leur permettre bah, de pouvoir fonctionner plus longtemps. Donc si on se prive de sommeil, ces organes ne vont pas se régénérer suffisamment, ne vont pas récupérer suffisamment et ils vont s'épuiser plus vite et potentiellement on va raccourcir notre temps de vie total. Et la deuxième partie du sommeil qui est aussi très importante, c'est le sommeil qu'on appelle paradoxal. C'est celui qui correspond au sommeil des rêves. Et là, tout ce qui est d'ordre psy, c'est la partie où le sommeil enfin, permet la récupération de tout ce qui est de l'ordre psychique. Donc cognitif, donc la concentration, la mémoire, la gestion des émotions, en particulier les émotions négatives. Et donc souvent, quand on a des rêves un petit peu bizarroïdes, on se dit, mais ça ne veut rien dire, on n'y comprend rien. Ben, c'est notre cerveau qui intègre à sa façon les choses qu'on a vécues dans la journée pour justement éliminer les choses vraiment très négatives. Pour que ça ne soit pas trop pénalisant pour nous. Et il y a même un fonctionnement qui est assez génial dans ce sommeil paradoxal, c'est que on élimine petit à petit les souvenirs pénibles. Quand on a vécu quelque chose de très très douloureux, quand c'est récent au niveau émotionnel, c'est comme si ça venait de se produire. Et puis, je vous donne l'exemple d'un deuil par exemple, un an après, quand on repense à cet événement, au niveau émotionnel, les choses se sont vraiment atténuées. On ne le vit plus de façon aussi épidermique. Ben c'est parce que notre cerveau, toutes les nuits, pendant le sommeil paradoxal, il atténue les souvenirs vraiment douloureux pour nous éviter de tomber en dépression. Donc on voit qu'il se passe vraiment des choses, à la fois au niveau physique, au niveau psy, qui sont super importantes. Et donc la conséquence, si on ne respecte pas notre besoin de sommeil individuel, parce qu'il est différent d'une personne à l'autre, au final, on ne sera pas ni à 100% de ses capacités physiques, ni à 100% de ses capacités psychiques. Donc oui, ça a vraiment un impact sur la performance.
Alors effectivement, vous le disiez tout à l'heure, tout le monde n'a pas besoin d'une même quantité de sommeil. Thomas Edison, par exemple, avouait ne dormir que 2 heures. Et donc, c'est le grand rêve de chacun. 2 heures, c'est un temps fou de gagner. Comment est-ce qu'on peut gérer ça, cette différence de dotation? Alors, on ne peut pas la gérer vraiment. On est avec un besoin. Donc, il y a trois grandes catégories de dormeurs. Il y a les courts dormeurs, donc ceux qui ont besoin de moins de 6 heures par nuit. C'est D'accord. génétique. On est comme ça et on ne peut pas le changer. C'est pour ça que Donc je ça dis. vient des parents, voilà. Donc Voilà. Donc, on peut pas. C'est pour ça qu'on ne peut pas le gérer. C'est un acquis. C'est comme ça. Donc, il faut faire avec. Donc, notre président de la République, avec 4 heures de sommeil, il est parfait. Il est content. Il a ce qu'il lui faut. C'est quand même pas plus de 2% de la population générale. Donc, c'est vraiment une exception. Mais il y a beaucoup d'hommes d'État qui sont dans cette catégorie parce que justement, bah, la fonction nécessite un gros volume de travail. Donc, c'est pour ça qu'on les retrouve beaucoup dans ces types de fonctions. La grande majorité de la population, c'est ce qu'on appelle les moyens dormeurs. Il leur faut entre 6 et 9 heures de sommeil par nuit. Et c'est pareil, donc c'est génétique. Donc moi, je suis dans cette catégorie et de vraiment une grande majorité de la population aussi. Donc, vous êtes normal, quoi. Bah, il n'y a pas de normalité. Puisque Chaque c'est la moyenne, la catégorie, norme. c'est la moyenne, mais ce n'est pas la norme. Et il n'y a pas de normalité. Et puis donc, la troisième catégorie, c'est les gros dormeurs. Et eux, ils ont besoin de plus de 9 heures de sommeil par nuit. D'accord. Et pour eux, c'est très compliqué parce que plus de 9 heures de sommeil, plus le temps qu'il faut consacrer au travail. Bah après, il reste pas beaucoup de temps pour la vie de famille, la vie sociale, faire du sport, les loisirs, etc. Donc pour eux, c'est beaucoup plus compliqué d'arriver à le gérer. C'est après, c'est un choix de priorité. D'accord. Mais on ne Alors, peut pas modifier ce bagage. On est avec ce besoin et on ne peut pas le changer. certains auteurs, je pense à Flücher, qui était docteur, me semble-t-il, disaient qu'en fait, une fois qu'on a calculé ces cycles de sommeil, eh bien, tout simplement, on peut en réduire un, en supprimer un, et donc c'est un entraînement. Donc finalement, ils disent qu'il y a une possibilité de gérer. Le supprimer, mais il parle de supprimer sur quelle durée? Alors, lui prenait son exemple personnel. Il disait qu'il dormait des cycles de à peu près de 2 heures, 1 heure et demie, 2 heures. Donc, il faisait trois cycles. Et finalement, il a supprimé un et ça lui a dégagé du temps. Et donc, ça a augmenté sa performance. Et il était très content pendant ses études. Et semble-t-il, il continuait, puisque ses bouquins étaient sur cette thématique-là, en disant il gagnait au moins 2 heures par jour. Ce qui, au final, quand on cumule, ça fait un temps de vie extraordinaire. Certes, mais pour moi, il n'a pas fait le bon calcul puisque il s'est mis en dette de sommeil chronique. Et donc, ça va. Il l'a fait, de ce que j'entends, parce que je ne connaissais pas cette personne, pendant qu'il était étudiant. Donc, quand on est jeune, voilà, les conséquences, l'organisme récupère beaucoup plus vite, les conséquences ne se voient pas. Mais je pense qu'à long terme, il a accumulé cette dette et que son corps va se manifester un jour ou l'autre avec des pathologies. Parce que s'il réduit son besoin, il n'est pas fait pour ça. Le corps, il a défini au départ, au niveau génétique, le besoin qu'il a. Donc si on ne le respecte pas, il y a forcément des conséquences à un moment donné. Et donc, si en termes de gestion des cycles, d'autres personnes disent, il suffit de savoir à quelle heure je dois me coucher, donc s'analyser, s'observer un peu avec des signes de fatigue. Et donc, si on enclenche son cycle au bon moment, finalement, on profite pleinement de son cycle, donc il y a de la récupération physique et cognitive. Alors que si je me couche à un moment où je n'ai pas trop sommeil, j'aurai plus de mal à profiter du sommeil. Est-ce que c'est vrai ou c'est. Alors, c'est peut-être pas qu'on va avoir plus de mal à profiter du sommeil, c'est qu'on va avoir du mal à s'endormir. Ce qui est tout à fait juste, c'est se coucher si on n'a pas sommeil. Alors, sauf si il y a il y a toujours des exceptions à toutes les règles. Donc, il y a des gens, ils n'ont pas sommeil, ils se couchent et dans les 5 minutes, ils s'endorment. J'ai envie de dire, dans ce cas-là, on en profite. Mais sinon, si le train du sommeil n'est pas là, donc si on n'a pas les bâillements, les paupières qui commencent à papillonner, les yeux qui piquent, etc., si le train n'est pas là, se coucher, c'est contre-productif parce qu'en fait, le corps n'est pas prêt à accueillir le sommeil, donc on va tourner, virer dans son lit, on va s'énerver, et quand le train va arriver, ben en fait, il va passer sous le nez, on va être incapable de le prendre parce que justement, on va être sur les nerfs. Donc, la recommandation majeure, c'est effectivement d'être à l'écoute de son corps, des signaux du sommeil, parce que c'est vrai que l'heure d'endormissement, elle est plus ou moins la même tous les jours, à un quart d'heure près, enfin, un quart d'heure, une demi-heure près. Moi, je sais qu'entre 10h, 10h15,
j'ai un train qui passe. Mmh. Donc c'est Et vraiment le c'est moment où je pareil peux pour le réveil. m'endormir. Et c'est pareil pour le réveil. C'est-à-dire peut-être que pour il y a des gens qui se réveillent, c'est pas le moment de se réveiller. Finalement, ça les fatigue. Alors que s'ils se réveillaient une demi-heure plus tôt, ben finalement, ça serait peut-être plus dans leur rythme personnel. Alors, on est plus en forme si on se réveille naturellement à la fin d'un cycle. Je pense que les gens qui ne sont pas en forme, c'est parce que le réveil sonne au milieu d'un cycle, et si on est en plein milieu d'un sommeil profond, on se réveille dans le pâté parce que c'est C'est ça. difficile. C'est récent. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est effectivement de repérer le besoin de sommeil dont on a besoin physiologiquement, de se coucher quand le train est là, de voir. Parce que le problème du nombre de cycles, c'est qu'un cycle, il peut faire entre 1 h 30 et 2 h. Et c'est variable au cours d'une nuit sur l'autre. Donc, on peut avoir certains cycles d'1 h 30, certains cycles de 2 h. Donc, définir le temps exact que l'on va dormir, c'est difficile puisque ça change à chaque fois. Néanmoins, on a, voilà, à 1 heure près, potentiellement, où c'est plus ou moins la même chose. Donc, si on peut soit se réveiller spontanément, c'est là qu'on est le plus en forme. Maintenant, selon l'heure à laquelle on se couche et les contraintes de travail, c'est pas toujours possible. Il y a des gens qui n'utilisent pas de réveil, hein. Donc après, c'est un petit peu chacun en fonction de son mode de fonctionnement, parce qu'on peut se programmer pour se réveiller. Si on se dit il faut que je me réveille à telle heure et qu'on se le répète, quelque part c'est une injonction au subconscient et on va se réveiller. Vous avez peut-être testé quand on doit partir en vacances, prendre un avion ou autre, à la limite on se réveille toutes les heures parce qu'on a peur de ne pas entendre le réveil. Donc on peut se conditionner, mais bon, il faut en avoir un petit peu l'habitude. Ça ne se met pas en place comme ça du jour au lendemain, mais. Exactement. Alors, dans les idées peut-être reçues, beaucoup de personnes disent, Picasso avait cette technique-là, des micro-siestes, il dort quelques instants, il récupère ainsi et ça lui permettait de travailler toute la nuit. Les micro-siestes, c'est bien ou pas bien? La micro-sieste, comme la sieste un peu plus longue, mais les siestes courtes, ça permet, oui, de récupérer de l'énergie. Mais ça ne remplace pas le sommeil. Ça permet de récupérer de l'énergie, notamment si, par exemple, on n'a pas assez dormi une nuit, il faut tenir la journée le lendemain, et bien faire après le déjeuner une sieste d'une vingtaine de minutes, ça permet de se requinquer et de pouvoir tenir correctement, donc de récupérer au niveau cognitif aussi, de pouvoir tenir le reste de l'après-midi de façon efficace. Mais donc ça sert à récupérer de l'énergie, ça compense pas le sommeil lent profond, le sommeil paradoxal qui permet la récupération dont on a parlé au début. Donc c'est plus si on a un besoin ponctuel, on a un coup de fatigue et qu'il faut tenir derrière, c'est une façon de récupérer de l'énergie pour tenir plus longtemps. Mais ça remplace pas une nuit de sommeil. Très bien. Donc ça c'est un. Alors est-ce qu'il y a un rituel à avoir avant d'aller se coucher? Il y a des gens qui disent regarder un film un peu violent avant de se coucher, ben, c'est pas bon pour la qualité du sommeil. C'est sûr. Idéalement, il faut savoir que le cerveau n'est pas capable de passer d'un mode veille à un mode sommeil comme si on appuyait sur un interrupteur on-off. Il a besoin de descendre progressivement en pression. Donc, les gens qui sont sur le téléphone avant d'aller se coucher ou dans leur lit, qui éteignent et qui pensent qu'ils vont s'endormir, c'est une grave erreur. Il y a toujours des exceptions, comme toute règle, hein. Mais en général, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que déjà, il y a la lumière bleue des écrans, et ça, tout le monde en a entendu parler. Mais il y a une deuxième chose dont on entend moins parler, c'est que justement, quand on est sur son téléphone en train de faire quoi que ce soit, on est en mode veille. Le cerveau est sollicité, il est actif, il n'est pas du tout en train de descendre en pression pour accueillir le sommeil. Donc, on éteint le téléphone, on éteint la lumière, bah, le sommeil, le cerveau n'est pas prêt. Donc, pour pouvoir vraiment accueillir le sommeil, il faut être sur une activité calme qui sollicite peu le cerveau pour lui permettre justement d'accueillir ce sommeil. Si vous regardez quelque chose de violent, de désagréable, bah, ça ne vous met pas dans des ondes sympathiques pour accueillir le sommeil. Et comme je le disais quand il y avait les informations sur la crise sanitaire à un moment donné, si vous voyez quelque chose qui est anxiogène juste à l'avant d'aller vous coucher, bah, vous ne vous mettez pas dans les conditions idéales pour avoir un sommeil calme et serein. Parce que vous allez avoir ces images qui sont encore présentes et qui vont potentiellement avoir un impact. On dit justement en développement personnel qu'il est idéal de s'endormir avec, faire un petit bilan de sa journée, les 3 belles choses qu'on a vécues, et de s'endormir avec ça pour avoir un sommeil serein. Donc un film de violence,
C'est pas le plus le plus sympathique et le plus souhaitable. Il faut voir les journées, peut-être. Voilà. Mais alors, justement, pour revenir au monde de l'entreprise, certaines entreprises développent des salles de sommeil. Oui, des salles de sieste, oui. Oui, donc ça, c'est bien ou pas bien? Je trouve que c'est très intéressant parce que justement, après manger, physiologiquement, on a une baisse de vigilance. Donc, moi, il m'arrivait, hein, quand j'étais encore dans le privé, après manger, je piquais du nez sur mon ordinateur, hein, très clairement. Donc, l'efficacité n'est pas au rendez-vous. Donc, quand ça arrive, ben, faire une petite sieste de 20 minutes, ben, on va obtenir le résultat dont on parlait il y a quelques minutes. On va déjà faire une pause pour le cerveau, pour les yeux, etc. Et on récupère de l'énergie et après on peut repartir de façon beaucoup plus efficace. Donc les sociétés qui ont mis ça en place, pour moi, ont tout compris parce qu'elles permettent à leurs collaborateurs d'être les plus efficaces possibles sur la deuxième partie de journée en mettant ce type de système en place. Ce qui veut dire qu'en formation, l'idéal, biologiquement parlant, ça serait, après avoir mangé, de prendre un moment, de repos, voire de dormir sur des micro-siestes. Et comme ça permettrait de mieux mémoriser ce qui se passe l'après-midi, c'est ça? De mieux mémoriser, mais à tout point de vue, d'être plus concentré, d'être plus performant, plus efficace. À tout point de vue, ça, comme je vous dis, ça redonne de l'énergie, donc on rebooste un petit peu l'ensemble du système, en fait. Alors, qu'est-ce qui bloque? Parce que toutes les entreprises, ne le font pas. Et parce que pour une entreprise, enfin là, c'est juste mon interprétation. Bien sûr. Ils considèrent qu'ils n'ont pas envie de payer leurs salariés à dormir. Je pense qu'il y a beaucoup ça qui revient. Après, le fameux temps de sieste, il peut être pris sur le temps de la pause du déjeuner. On a le temps de prendre un repas et d'avoir surtout si c'est une sieste courte, de caser une sieste courte juste avant de reprendre son après-midi de travail. Donc l'un n'est pas incompatible avec l'autre et on n'est pas obligé de payer du temps supplémentaire pour autoriser les siestes, ça peut être inclus dans un temps de pause d'une heure. On peut avoir le temps de manger et le temps d'avoir ce break également derrière. Donc je pense que c'est un faux problème, mais je pense que c'est culturel. En Occident, c'est pas bien vu, surtout, enfin, le fait de faire la sieste, le fait de faire quoi que ce soit qui n'est pas du travail, d'une façon générale, c'est pas bien vu. En Orient, en Asie, hein, moi je suis allée en vacances en Chine. Tout le monde fait la sieste l'après-midi, c'est culturel aussi. Donc après, c'est des habitudes qu'il faut changer, c'est des mentalités qu'il faut changer aussi. Donc ça ne se fait pas en claquant des doigts. Mais c'est bien qu'il y ait des entreprises qui le mettent en place pour que ça puisse faire boule de neige et que l'idée se diffuse de plus en plus, un peu partout. On n'en est pas Effectivement, encore là, si on mais... joue sur la performance, bah, comme on augmente la performance, ça devrait être obligatoire, si c'est la performance qui compte dans les entreprises et non pas le fait d'avoir du temps, disponible à rester derrière son ordinateur. Certaines personnes vont plus loin et dire ça serait, quand on fait de la méditation, c'est un peu comme si on faisait une sieste. Oui, enfin en tout cas au niveau du cerveau, on fait un peu comme un reset. On met le D'accord. cerveau en mode pause, on évite qu'il soit parce que le cerveau, je ne sais plus combien d'idées à la seconde le traverse, mais il est en surcharge permanente. Et donc c'est vrai que ces moments où justement, éventuellement s'il y a une idée qui passe, on la fait juste passer, on la laisse traverser et partir, mais on ne s'y attache pas. C'est des moments de régénération du cerveau et ça permet aussi après d'être plus performant parce que le cerveau, ben, il a besoin de break également. Il est à fond tout le temps. Donc, c'est des moments qui sont précieux. C'est aussi effectivement une option intéressante. Une hygiène. Donc Oui. ça c'est en termes de formation, ce qui dans les formations, je me rappelle de Jacques Attali qui faisait lors de ses grandes conférences, il faisait 2-3 minutes de méditation justement pour leur permettre d'être plus dans la conférence. C'est une bonne pratique ça. Ah, complètement, oui, ça a fait une remise à zéro du cerveau en fait. Donc, du coup, après, il s'est reposé, voilà, et il est disponible pour réattaquer autre chose derrière. Donc, tout à fait, moi, je valide à 100%. Très bien. Donc, tous les formateurs qui nous écoutent et les responsables de formation, n'hésitez pas à être innovants. Faites de la méditation avant justement de vos processus de formation parce que c'est là où ils seront plus performants. Si quelqu'un veut démarrer
dans la gestion de son sommeil, vous lui conseillez quoi? Comment est-ce qu'il s'y prend? Quand il a des difficultés de sommeil? Ou quelqu'un se dit j'aime bien, que ce soit avec une politique de bien-être, que ce soit parce qu'il y a des difficultés, vous lui dites comment est-ce qu'on peut démarrer la bonne gestion de son sommeil? Par quoi il faut commencer? Je pense que l'idéal, c'est d'aller voir un spécialiste. Parce que, alors après, on peut aller sur Internet, on trouve un peu tout et n'importe quoi, hein, parce que justement, on véhicule beaucoup le fait qu'il y a un temps de sommeil à respecter. Et on l'a vu tout à l'heure que selon les personnes, le temps de sommeil, il est variable. Donc on ne peut pas définir, voilà, c'est 7 heures minimum tous les jours, ça dépend des gens. Il y en a pour qui ça va être trop, il y en a pour qui ça ne va pas être assez. Donc voilà, ça n'a pas... Donc on trouve un peu tout et n'importe quoi. Moi, j'aurais envie de dire, c'est effectivement de consulter un spécialiste qui va rappeler toutes les règles d'hygiène du sommeil. Parce qu'il y a des choses qui favorisent un bon sommeil, il y a des choses qui les pénalisent. Et donc, c'est bien d'avoir une idée complète pour pouvoir renforcer ce qui va favoriser le sommeil, voire mettre en place ce qui n'existe peut-être pas encore dans nos habitudes. Et à contrario, être au courant de tout ce qui va le pénaliser pour le réduire, voire le supprimer. Éventuellement, si on a des difficultés de sommeil, en tout cas, avoir connaissance de ces deux volets pour le jour où les choses commencent un petit peu à se dégrader, pouvoir rectifier le tir dans les habitudes pour que les choses rentrent dans l'ordre rapidement. Parce que si on n'a pas ça à sa conscience, Bien sûr. en fait, on ne sait pas comment agir dessus. Certaines personnes qui sont pas forcément à l'aise et qui n'ont pas l'habitude de s'écouter se disent que finalement, il y a des dans les hôpitaux, on peut dormir dans un hôpital, on est sous surveillance électronique et ça permet de calculer le temps nécessaire dont on a besoin. Enfin, est-ce que c'est une pratique qui est intéressante? Vous parlez des enregistrements du sommeil qui sont faits à Oui, l'hôpital. absolument. Alors ça, c'est réservé aux personnes qui ont des troubles du sommeil. Quand on veut rechercher des pathologies, c'est pas fait de façon systématique. Et heureusement, ça coûterait très très cher à la sécurité sociale. Quand on veut dépister de l'apnée du sommeil, enfin des choses un peu lourdes, on utilise ces outils-là. On ne peut pas les utiliser de façon systématique. De toute façon, il n'y a pas une capacité pour le faire pour tout le monde. Quand on veut définir son besoin en sommeil, en fait, ça peut être fait très simplement. Vous vous replacez pendant les grandes vacances. Quand vous avez récupéré, j'ai envie de dire, les 10 premiers jours, vous êtes du coup revenu à un état normal, vous n'êtes pas en dette de sommeil. Et là, quand vous dites, je me couche à l'heure qui me convient, physiologiquement. Le lendemain matin, je me lève à l'heure qui me convient physiologiquement aussi, sans réveil. J'ai zéro contrainte, je n'ai pas les enfants à m'occuper, je n'ai rien à faire de particulier. Combien de temps est-ce que je dors spontanément dans ces conditions-là? Et ça correspond à notre besoin de sommeil physiologique. Ah, très bien. Donc déjà, il faut partir en vacances et profiter pour apprendre à se connaître soi-même. Souvent, on dit que l'alimentation a une influence importante sur le sommeil. C'est-à-dire à trop manger, on finit par mal dormir. Alors en fait, oui, il y a un lien très très fort entre alimentation et sommeil. Si on ne dort pas bien, quand on dort, en fait, on sécrète deux hormones qui vont bloquer l'appétit pour éviter qu'on ait faim pendant la période de sommeil, qui est une période de jeûne. Donc l'organisme est bien fait. Si on est en dette de sommeil, si on ne dort pas suffisamment, ces hormones ne vont pas être sécrétées suffisamment et du coup, ça va ouvrir l'appétit. Ça peut ouvrir l'appétit pendant la nuit. Il y a des gens qui vont dans le frigo la nuit, mais aussi dans la journée et générer du grignotage ou un besoin de s'alimenter de façon plus importante. Donc les personnes qui souffrent de troubles du sommeil de façon chronique ont souvent soit du surpoids, soit carrément de l'obésité. À l'inverse, donc parce qu'en fait, on dort pas assez, donc on sécrète pas ses hormones, on mange plus, et puis comme en plus on est fatigué puisqu'on est en dette de sommeil, on n'a pas trop le courage de faire du sport, donc qui dit manger plus et en plus ne pas faire d'activité physique, dit prise de poids à la clé. Et à l'inverse, si on ne s'alimente pas bien, en tout cas au moins le soir, eh bien ça peut avoir un impact sur la qualité du sommeil aussi. Donc le soir, il est important d'éviter les sucres rapides qui n'ont aucun intérêt à part de se stocker en graisse parce qu'on ne va pas utiliser l'énergie qu'on va absorber. Il faut éviter aussi tout ce qui est protéines, gras, parce que c'est très lourd à digérer. Et donc, Protéines gras, ça représente quoi comme aliment? bah, les protéines, c'est tout ce qui est viande,
poisson dans une moindre mesure. C'est un peu moins lourd à digérer. Et le gras, ben, tout ce qui est gras, les graisses animales essentiellement. Donc il y en a beaucoup dans la viande également, la charcuterie. Donc le soir, idéalement, pour manger léger, on recommanderait plutôt les fibres et les sucres lents. Les sucres lents pour avoir suffisamment d'énergie pour tenir toute la nuit sans être réveillé par la faim. Et les fibres, parce que ça, c'est, j'ai envie de dire, pour la santé d'une façon générale, c'est nécessaire pour notre intestin et pour notre fonctionnement. Et c'est ce qui est aussi donc le plus facile à digérer, parce que plus on va manger des choses lourdes, plus la digestion va être difficile, plus ça va générer de la chaleur. Et il faut savoir que pour s'endormir, on a besoin de perdre 1 degré. Donc plus on va manger lourd et que ça va être difficile à digérer, moins on va s'endormir facilement parce qu'on génère de la chaleur alors qu'il faut en perdre pour s'endormir. Donc les deux processus sont antinomiques en fait. Ils vont dans un sens inverse. Et puis pareil, la digestion génère de la chaleur et consomme aussi beaucoup d'énergie. Et du coup, si on a une digestion lourde en début de nuit, le sommeil, il va pas être de bonne qualité. Donc j'imagine qu'il ne faut pas trop boire, et pourtant l'alcool finalement fait dormir. Alors, l'alcool est un faux ami. Ah, Non, l'alcool, c'est un excitant. Mais sur la première partie de la nuit, comme il provoque en fait une désinhibition, il favorise l'endormissement. Mais après, comme c'est un excitant, il va avoir des effets délétères sur la deuxième partie de la nuit. Il provoque beaucoup plus de réveil. Donc le sommeil va être fragmenté, il va être de qualité moins bonne, moins profond. Le temps de sommeil total va être plus réduit. Et donc au final, la récupération n'est pas terrible. Et juste pour donner une illustration de ça, quand on fait la fête au réveillon du jour de l'an, hein, une soirée bien arrosée, le lendemain matin, c'est pas la nuit la plus récupératrice qu'on a eue. En général, on est un peu vaseux. C'est vraiment la preuve qu'effectivement, l'alcool, si on veut se faire plaisir, il vaut mieux, enfin, en tout cas, si on a des problèmes de sommeil, il vaut mieux se faire plaisir le midi que le soir, parce que l'alcool va avoir un impact négatif sur notre sommeil. Pas très bien. Donc, ou alors se faire plaisir à midi et une petite sieste derrière. Certes, mais donc, si on a du mal à dormir, l'alcool le soir va Oui, complètement. amplifier le problème, en fait. Alors pour revenir, et parce qu'on arrive à la fin de l'émission, Oui. quand on voit dans les QVTC, est-ce que le sommeil est pris en compte dans la qualité de vie au travail, dans Ça, les c'est toujours entreprises? pareil, ça dépend des entreprises. Il y a des entreprises, donc celles qui fonctionnent avec des salariés, enfin avec des organisations en horaire décalé, sont, je pense, les plus sensibilisées parce que du coup, elles proposent à leurs salariés des formations pour leur apprendre à gérer leur sommeil, leur alimentation, quand on est en poste du matin, quand on est en poste de nuit, parce qu'il y a vraiment des trucs bien spécifiques, des trucs et astuces qu'on peut proposer pour ce type d'organisation. Mais de plus en plus, il y a des personnes, enfin, pardon, des sociétés qui, notamment lors des semaines de la QVT, là, cette année, c'est la semaine du 20 juin, qui proposent des journées sécurité, bien-être, et qui proposent donc ce type d'animation à leurs salariés pour apprendre justement bah, comment bien gérer son sommeil, quels sont justement les trucs et astuces qu'on peut mettre en place, quelles sont les règles d'hygiène du sommeil pour permettre à leurs salariés de repartir avec un petit bagage qui va les aider à gérer les choses au mieux dans leur vie quotidienne. Est-ce qu'en général, ce sont des informations, mais est-ce qu'il existe des communautés, des groupes de parole sur le bien-être ou des choses comme ça, où le sommeil pourrait être abordé? Alors moi, j'en ai pas connaissance plus que ça. Ce que je sais, c'est qu'il se fait, ce sont soit des conférences, soit des ateliers, surtout sur ces journées-là, des choses qui sont couramment proposées. Après, des forums de discussion, peut-être que ça existe, moi, je n'en ai pas connaissance, mais... Assez peu à ma connaissance aussi au sein des entreprises, et pourtant ça permet dans la durée d'aborder. Si on regarde un peu sur les formations, par exemple au management, est-ce que ça aurait du sens de les former au sommeil? Ça a du sens dans la mesure où si on ne sait pas quelles sont les conséquences négatives que ça peut avoir sur la santé des salariés, pousser les collaborateurs à faire toujours plus, à avoir toujours un rendement supérieur, bah c'est les pousser droit vers peut-être la dépression, voire le burn-out. Donc c'est bien d'avoir quand même des notions de ces risques-là.
pour et puis aussi pour voir, parce que si un salarié se plaint d'être fatigué, bah, ça peut être aussi l'encourager à aller consulter pour justement régler cette problématique. Donc d'être sensibilisé à ça, ça a vraiment du sens. Ce qui a du sens aussi, c'est de le lier avec la gestion du stress, parce que quand on est stressé, ça génère des troubles du sommeil. Et quand on a des troubles du sommeil, on gère moins bien le stress. Et donc, on voit que très vite, un cercle vicieux peut s'installer. Donc, les deux problématiques sont assez liées, en fait. Et ça peut être intéressant d'avoir la double formation, sommeil et gestion du stress, pour pouvoir accompagner les collaborateurs de la meilleure façon possible. Absolument, et de fidéliser la relation avec Je les vous ai perdu. collaborateurs. Je vous entends plus. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup Désolée, pour je vous tout. entends plus, Frédéric. Stéphane, pardon. Donc c'est pas grave. Allô? Donc, Ah, ça y est, voilà, ça ah, je très vous ai bien. Donc, ben, récupéré, je vous impeccable. entendais plus. Eh bien, nous, on vous entendait. Donc, ça, c'est bien pour nous. Donc, ça, c'est intéressant. Alors, si on veut en savoir plus, ou on aimerait bien avoir plus de choses opératoires, comment est-ce qu'on fait? Vous avez parlé de LinkedIn déjà? Oui, donc moi, je poste à peu près toutes les semaines. Très Le bien. vendredi en fin d'après-midi, des conseils d'hygiène du sommeil, des trucs et astuces. Donc, je vous disais, la semaine dernière, bah, j'ai donné comment gérer au mieux le changement d'heure en l'anticipant. Mais je poste régulièrement des conseils. Après, sur mon site, donc, qui est retrouvé à l'infinitif tiré du 6, le tiré du 6 sommeil.fr. J'ai un livre blanc où vous pouvez retrouver les principales règles Très d'hygiène bien. du sommeil qui est offert. Et il y a également un test du sommeil qui est également offert, que l'on peut faire pour voir si tout va bien ou si on souffre d'insomnie légère, modérée ou sévère, pour se dire, bah, OK, en fonction du résultat du test, il est peut-être important que je me fasse accompagner pour éviter d'avoir des impacts négatifs sur ma santé. Eh bien, bravo, Isabelle Bonnefou. C'était passionnant. Ça sortait un peu du cadre de la formation, mais pour mieux y revenir au final. Merci beaucoup. À très bientôt à tous. Au revoir. Merci Stéphane.